bizarre, pourquoi tu vas pas bien? Je suis en train de péter un câble. Cette nuit, j'ai encore reçu des visions, sauf que cette fois-ci, ça s'aggrave. Voilà, ça s'empire. Donc, du coup, comment dire, va falloir activer sur le climat. Vous allez voir cet été, vous allez pleurer. L'alerte va recommencer. L'année dernière, vous n'avez pas entendu l'alerte. Cette année, vous allez l'entendre, ça va être encore plus dur, encore plus chaud. Donc, comment dire, j'ai vu trois continents disparaître. Engloutis complètement sous les eaux. Donc, Afrique, États-Unis et Asie. Ces trois pays font un triangle. Tout ce qui se trouve dans le triangle, on est dans la merde. Ça veut dire en fait tout l'intérieur des terres. Tu prends les États-Unis, tu prends la Chine, tu prends l'Afrique, que ça fait le monde. Donc j'ai un peu de mal à me remettre de ce que j'ai vu. Après, je sais que ça m'est envoyé pour m'alerter et pour qu'on puisse renverser la vapeur, comme on dit, partir de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer avec l'Afrique? Tremblement de terre, effondrement et vague submersive qui va venir inonder une bonne partie. Donc voilà, ça va être catastrophique. Les États-Unis, il y a toutes les côtes qui vont être complètement sous l'eau. Et le Japon, il n'y a plus de Japon. Japon, Chine, honnêtement, la Chine, il restera un petit peu. Le Japon, il n'y aura plus rien. Donc le Japon, si on ne change pas notre mode de fonctionnement, notre mode de production, notre mode d'éducation sur cette planète, vous n'êtes plus là d'ici quelques décennies. Il n'y a plus de Japon du tout. Tout englouti. Déluge, à nouveau. Je crois que vous n'avez pas compris que le mot déluge, ce n'est pas des pluies diluviennes qui tombent du ciel. C'est un tsunami. Le tsunami où la vague submersive, les anciens Égyptiens, les Atlantes, appelaient ça un déluge. Un déluge d'eau qui s'abat sur toi. Voilà. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? La mer est montée. Voilà. Et là, ça recommence. Pourquoi? Parce que c'est notre façon d'agir sur Terre, notre façon de produire, notre façon de se déplacer aussi. Il y a tout à revoir. Il va falloir commencer à protéger et servir. Et ce con de Macron, mais qu'est-ce qu'il m'a donné des cons pareils? S'il vous plaît, au secours, 4 ans encore à supporter avant qu'il dégage et que les choses rentrent dans l'ordre. À moins que je récupère le trône d'ici là. Mais ça, c'est vous, le peuple français, qui en déciderez à partir du 8. À partir du 8, vous pouvez sortir à tout moment le carton rouge Macron, le carton Joker. Si les Français, vous sortez de Joker, j'apparais, je récupère le trône, je vous rends le trône, je remets de l'ordre dans la société en 4 ans et après je me casse, bon débarras, c'est terminé. Ça va aller vite, hein? Si c'est moi qui m'y colle, ah mais ils vont me bouger, hein? Ah, vous allez voir la fourmilière, la ruche qui va se mettre en activité. Ça va changer, hein? Le système va pas tourner de la même façon qu'ils le font tourner. Ils le font tourner dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Moi, je vais le faire tourner en rond, dans le sens de l'heure. Et oui, je suis pas Lilith, le cadran pour rien. Il y en a qui m'ont dit, mais Lilith, c'est quoi? Je suis le zodiaque. Je représente les signes du zodiaque. Chaque signe est une heure. Chaque signe du zodiaque, il y a 12 signes du zodiaque. Les 12 signes du zodiaque représentent chacun une heure. Et oui, le 0, le 12 étant le premier signe du zodiaque. Le 11, eh bien oui, étant le dernier. Une heure. Eh oui. Une sphère. Un cercle.
À un moment donné, je ne peux pas vous dire mieux. En clair, chaque humain sur cette planète possède un code, associé à son heure, associé à son signe astrologique. Eh ben oui, si le sixième, eh ben oui, signe du zodiaque, eh ben oui. Vous faites commencer à partir du 1, ça commence à partir du 0. 0, premier signe du zodiaque, et tu tournes. Je vous rappelle, vous avez même changé. Mais je vous rappelle que vous avez même changé le calendrier. Vous avez changé le temps, vous avez changé l'équilibre de cette planète depuis tellement de décennies que remettre de l'ordre dans votre chaos, c'est compliqué, je peux vous assurer. Les saisons. Pourquoi vous faites commencer les saisons à la moitié du mois alors que chaque saison commence à chaque début de trimestre? Maintenant, vous parlez du trimestre. Voilà, quand vous parlez de saison, avant, vous ne parliez pas de trimestre. Eh bien oui. Et normalement, ça commence au 12. C'est vous qui faites commencer au 1. Eh bien oui. Parce que tout simplement, le 0 est le nombre premier. Vous faites coller le 0 au néant. Et vous faites coller le 1 au nombre premier. Le nombre premier est un 0. Le nombre second est un 1. Le nombre troisième est un 2. En alchimie quantique, voilà comment on programme. Donc du coup, vous n'avez pas ce savoir que je possède. Donc vous ne pouvez pas savoir comment contrôler le climat. Voilà, tu contrôles le climat comme une boussole. Nord, sud, est, ouest, comme les quatre éléments qui se trouvent à ces quatre points cardinaux. À un moment donné, je suis désolée, j'ai pas eu mon bac, j'ai même pas mon brevet des collèges. Alléluia, amen, merci l'Esprit Saint. Voilà la science infuse. Non mais c'est grave quand même. Hein. J'ai pas fait d'études. Macron, t'as combien d'années d'études? Combien de formations avec ton Rothschild? T'es incapable à comprendre la base même du système. Mais vous voulez faire marcher un système que vous ne comprenez même pas. Macron, non, on n'est pas les bons élèves. L'écologie part en vrille. La planète est en train de lancer les alertes. Elle va rentrer en autodestruction. Soit on s'arrête et on s'y met tous mondialement, soit sinon on va tous y passer ensemble. Le message est pourtant très clair. Donc non, Macron, on n'a pas le temps. Surtout pas avec le climat, avec l'écologie. On n'a plus le temps. On avait le temps avant. Maintenant, on ne l'a plus. Vous êtes allé trop loin. Vous avez trop pollué. Vous avez trop voulu coloniser ce monde avec vos technologies, avec vos savoirs, qu'au final, ce monde est en train de rentrer en autodestruction à cause de tout cela. Parce que vous n'avez aucune limite, aucun équilibre. Vous n'avez aucun contrôle de ce que vous faites. Vous faites des choses et après vous passez à autre chose. Mais vous ne contrôlez pas ce qui a été fait. Eh bien oui, vous faites pas évoluer les bonnes choses et vous imposez de mauvaises choses à cette société. Quand je parle de société, c'est pas forcément que française, la société est humaine. Eh bien oui, il y a la société nationale et la société mondiale. Il y a le peuple de Dieu et le peuple de la terre. À un moment donné, on ne divise pas, on réunit. Donc non, on n'a plus le temps. Oui, il y a une urgence climatique et oui, tous les pays vont devoir s'y mettre. Non, on n'est pas les bons élèves. Quand on voit que les plus grandes villes de France sont des poubelles à ciel ouvert, que nos eaux usées vont dans les mers, dans la mer Méditerranée, eh bien oui, pourquoi il y a de la pollution dans les océans? Quand vos déchets, vous les envoyez dans la mer par les égouts, hein? Les sorties d'égouts que vous avez autour des plages. Ah, c'est propre, hein? Vachement propre, hein? On est bons élèves, hein? Au bout d'un moment, il faut peut-être se regarder dans un miroir et se dire non, on n'est pas bon élève. On peut faire mieux. Vous vous reposez sur vos acquis. Ah, mais on en a déjà beaucoup fait sur la transition énergétique et écologique. On n'a rien fait du tout. On n'a même pas fait le dixième de ce qu'on doit faire en réalité. On est très en retard sur le contrôle de ce climat. Et oui, c'est à l'humain de le contrôler. Le climat ne se contrôle pas tout seul en réalité. Eh. Déjà, tous vos déplacements d'avion, c'est pas bon. Tous les déplacements en bateau,
C'est pas bon. Eh ben oui, c'est notre façon de vivre sur cette planète qui est en train de détruire ce monde. Va falloir revoir notre façon de vivre. Il va falloir revivre comme à l'époque, mais avec l'intelligence et le savoir d'aujourd'hui. À l'époque, ils savaient protéger et servir. Et malheureusement, ils ont échoué parce qu'ils ont même éradiqué certaines espèces, alors que il y a des commandements qui nous ont été donnés. Tu ne dois décimer aucune espèce de cette planète. Aucune espèce ne doit être décimée. Combien d'espèces nous avons tuées? Eh bien oui, on n'a jamais respecté les ordres. Protéger et servir. Il va falloir commencer. Bon, non, Macron. La transition écologique, on n'a pas le temps. Transition écologique, pas énergétique, écologique, la protection de l'environnement, la protection de notre forêt, la protection tout simplement de notre terre. Commencer à être protecteur et ne plus être destructeur. Donc non, on n'a pas le temps. Avec un président comme celui de Macron, on a le temps de crever, oui. Ah ben oui, le temps qu'il passe à l'action, le temps qu'il fasse ce qu'il faut, vous avez rien foutu. Rien foutu. Où sont les récupérateurs d'eau pluviale que je vous ai demandé il y a déjà 2 ans? Merci. L'année dernière, ils n'y étaient pas. Cette année, ils n'y seront pas non plus. Et vous allez être en restriction. Quand on n'écoute pas, on se retrouve dans la merde. Eh ben oui. Le débroussaillage des forêts, avec l'implantation d'arbres ignifuges, c'est fait? Non. Voilà. Moi, j'ai le retour, hein. Eh, comme tu veux devenir sécurité incendie, tu sais qui travaille dans des forêts? Ils m'ont dit rien n'a été fait. On n'a pas remplacé les arbres dont voilà pour faire mettre des arbres ignifuges. On n'a rien fait. On n'a même pas dont voilà labouré le sol pour pouvoir remplacer quand il y avait de la. Eh ben oui. À un moment donné, vous avez des sols qui ne sont pas bons, il faut refaire l'ameublement du sol. Vous l'avez fait? Non. Qu'est-ce qui a été fait en 1 an? Rien du tout. Alors le bon élève a d'autres, Macron. Peut-être qu'aux Français qui sont tellement cons qu'ils avalent toutes les couleuvres que tu leur fais avaler. Eh ben oui, ta langue de serpent bien fourchue, eh, voilà le en même temps. Un côté la langue va à droite, un côté la langue va à gauche. Et oui, t'as la langue fourchue, Macron. Arrête de parler. Plus tu ouvres la gueule, plus tu ouvres ta gueule de serpent, ta gueule d'animal. T'es pas un humain, t'es pas un humain. Pour ne pas voir la réalité en face et le bon discours, c'est simple. Oui, il y a une urgence climatique, il va falloir y mettre les moyens. Il va falloir que, en France, on revoie notre système de vivre dans ce pays. Et pas système de vivre, ne plus aller au resto, ne plus aller au ciné, non, non. Notre façon de vivre, notre façon de trier, notre façon de récupérer, notre façon, donc voilà, de moins voyager à l'étranger. Eh bien oui, plus tu fais de voyages, plus tu crées de pollution. Voilà. À un moment donné, il va falloir revoir le système humain. Il va falloir arrêter de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Non, il y a des règles dans la vie, il va falloir commencer à les suivre. Et l'écologie est la première. On vit dans ce monde. Si ce monde rentre en autodestruction, on disparaît. Eh ben oui. Donc au final, là, les Américains, vous allez pleurer. Il n'y aura plus d'Américains. Il n'y aura plus d'Africains. Eh ben oui. Tous ceux qui sont autour d'un océan, vous êtes dans la merde. La France, nous, côté Bretagne, on risque de charger aussi. C'est pas pour dire. Pourquoi les côtes bretonnes sont en train d'être immergées sous l'eau? Regardez putain la réalité! Ouvrez les yeux! Vous ne voyez pas les signes? Et oui, il va falloir se bouger! Parce que quand le Saint Graal reçoit des visions pareilles, c'est que ça va arriver dans un futur éloigné. Je ne vous le souhaite pas de le vivre, hein? Et ça peut, futur éloigné, ça peut être 10, 20 ans, hein? Ah ben tout dépend de si on est capable de changer ou non, hein? Si on ne change pas, ça va arriver bien plus tôt que ce qui est prévu, je peux vous l'assurer, hein. Vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on en arrive là.